On travaille le somptam. Ah, ils vont danser et tout. Hein. Et ouais, c'est la fête. Or, c'est la fête des enfants aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, allez les voir sur YouTube, sur les autres passerelles, évidemment. Voilà. Les enfants de mon village et du village d'à côté, donc de Ban Ponoy, Ban Onsam. Put. C'est un grand bonheur pour moi de faire des vidéos comme ça, parce que ces vidéos-là, bien sûr, vont être prises par les mamans et papas et par eux aussi sur mon Facebook, c'est-à-dire qu'ils récupèrent mes vidéos. Évidemment, ça c'est bien parce que ça leur fait des souvenirs, puis ils travaillent leurs vidéos après à eux. Pour moi, c'était un grand plaisir de voir ces enfants-là qui les ai vus naître. Hein. Eh oui. Eh ouais. C'est ça dans les villages. Ce qui est beau dans les villages, et je vous en parlerai sur d'autres vidéos, et ça me tient vraiment toujours à cœur, c'est que je les ai vus, ils ne marchaient pas, ces enfants. Ils étaient même dans le ventre de leur maman. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui est beau, c'est que je les côtoie. Je suis comme un père pour eux aussi. Évidemment, ça, vous le savez. Ils viennent à la maison, ils mangent gratuitement, ils boivent gratuitement. Et voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça dans les villages. Je vous raconterai tout ça. Parce que c'est une belle vie. Croyez-moi, c'est une très, très belle vie. Avec plein de choses. Et c'est vrai que quand on vit comme ça, qu'on vit dans un petit village au cœur des rizières, et qu'on est avec ces enfants-là, ben, quand il y a un enfant qui est triste, un enfant qui n'est pas bien, eh ben, c'est comme notre enfant à nous. Je ne sais pas comment expliquer ça. On a envie de les protéger, on a envie de... je ne sais pas, c'est comme nos enfants. Voilà. Et on réagit tous comme ça. Voilà, Katalé. Alors, elle, c'est une tueuse. Voilà, celle qui est là. Voilà. Ils sont très gentils. Non, franchement, c'est un bonheur de vivre dans le village. Alors évidemment, je vis avec eux, je suis comme eux, je suis vraiment avec eux. Et je dois dire une chose, c'est qu'il faudrait que justement les étrangers qui vivent en Thaïlande, qui vivent dans des endroits comme ça, il y en a bien sûr, je sais qu'il y en a qui vivent comme moi, comme un exemple Alain le fermier, que vous connaissez tous et toutes maintenant. Mais il y a beaucoup encore de gens qui ne vivent pas comme ça. Peut-être ils n'aiment pas les enfants, je ne sais pas. Ou ils n'aiment pas les Thaïs. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas... Enfin, il y en a qui n'arrivent pas à vivre à la Thaï, quoi. C'est même pas à la Thaï. C'est vivre tout simplement avec de l'amour, avec de la protection. On protège les enfants. Évidemment, ça, c'est naturel. C'est que naturel. Moi, je vis avec le naturel. Les enfants, c'est notre avenir. C'est vraiment notre avenir. Et comme je dis, les grands-parents, c'est notre passé, c'est notre histoire. Donc, on protège aussi bien les enfants que les vieilles personnes. Ça, c'est ma mentalité à moi. C'est mes trucs à moi. Voilà. Protéger les vieux et protéger les enfants. Alors évidemment, il faut se protéger nous-mêmes aussi, mais j'ai tendance à protéger plus les autres que moi. Voilà, c'est ma mentalité. Donc voilà, mes amis, le somptam, papaya somptam, tamohun, 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 laïna laï.
toi, tu vas venir à la maison, tu vas nettoyer. Je vais te donner le balai. Voilà. Ah. Allez, mes amis, je dois partir. Les cadeaux sont là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir la vidéo. Pourquoi il y a des cadeaux? C'est le jour de l'an. Et surtout, ces enfants-là, vous voyez, tout le monde a fait un cadeau. Et finalement, Kaya, alors tout le monde a fait un cadeau à leur façon, à leur, leur monnaie, parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et ils vont s'offrir des cadeaux. Voilà. C'est la fête des enfants dans toutes les écoles, ça va être ça. Et là, dans toutes les classes, c'est exactement ça. Voilà. Allez, eux, ils s'occupent de mettre la musique. Moi, je vais partir. Allez, sing a song, sing a song. Allez, mes amis, je vous fais de gros bisous. Le professeur est parti. Je vais vous dire pourquoi. Elle est partie avec deux de ses élèves. Pourquoi? Eh bien, pour aller acheter des choses pour sa classe. Là, le professeur va acheter des gâteaux. Regardez. Allez, je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais venez avec Eric Thailand, je vous ferai voir tout ça. Vous pourrez découvrir tout ça. Vous allez être hallucinés de belles choses, en fait. De très belles choses qui sont simples. Allez, bye bye, mes amis.